Moi, c'est Camille. Elle, c'est pas ma mère, c'est pas ma sœur, c'est pas non plus ma copine, c'est Ada. Mon adaptabilité. Elle m'aide à faire comme les autres. Depuis toute petite, je me suis toujours sentie différente. Jusqu'à ce mardi 22 juin à 15h, où j'ai compris pourquoi. Nous confirmons que les difficultés que vous rencontrez dans la communication et les interactions sociales avec les autres sont bien en lien avec ce que l'on appelle un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle de type syndrome d'Asperger. À la fin de cette brochure, vous avez une liste d'aménagements qui peut vous être utile au niveau professionnel pour aménager votre poste de travail. Autiste, je m'y attendais pas. Ce n'est pas la définition que j'avais de l'autisme. Et je pensais que ça touchait uniquement les garçons. Mais bon, au moins, je peux enfin mettre un nom sur ma différence. Maintenant, on fait quoi ? On fait rien. T'imagines la tronche de ta boss quand tu vas lui dire que t'as le syndrome autistique d'Asperger ou je sais pas quoi ? Non. Qu'est-ce qu'elle va s'imaginer ? Puis la tronche de tes collègues à la machine à café, ils vont tous se foutre de ta gueule. Donc on change rien. Et ça, tu vas voir ce qu'on fait. Je comprends mieux mon côté réservé et à la fois trop direct. Mon besoin d'être seul, mes crises de colère lors des imprévus et ma passion débordante pour la mythologie grecque. Allez au boulot, on va écouter Ada. En faire comme si de rien n'était. Ah Camille, ça tombe bien que je vous vois. Mmh. Vous vous souvenez, on en a parlé en réunion, il y a le nouveau Arthur qui arrive demain. Mmh. Hein, donc vous avez sa tutrice, donc je compte sur vous pour bien vous occuper de lui. Et oui. Vous oubliez pas, il est autiste Asperger. Vous voyez ce que c'est ? Je l'ai regardé, elle m'a regardé, je l'ai regardé, elle m'a regardé, j'ai dit... Oui. Oh oui. Bon, ok. Donc je vous laisse vous en charger, hein. Merci beaucoup. Camille fait une moue. Génial. Un jeune homme blond à lunettes, talonné par un brun à lunettes, arrive dans un bureau. Moi, c'est Arthur. Celui qui a le t-shirt, c'est comme mon ombre. Et je suis partout, c'est stress. Il est un peu pénible, mais j'apprends à le gérer. Là, j'avoue, aujourd'hui, c'est pas simple. C'est mon premier jour de boulot. Bonjour. Bonjour madame. C'est mon premier jour ici et on m'a dit de venir à 11h. Arthur, c'est ça ? Tout à fait. Ah, vous êtes en avance ? Ah oui. Donc vous allez vous asseoir ici sur les sièges, je vais appeler votre tutrice, elle va venir vous chercher. Je vous dis merde, hein ? Je l'ai regardé, elle m'a regardé. Je l'ai regardé, elle m'a dit... C'est une expression pour dire bonne chance. Ah, d'accord. Oh là là, comment ça va se passer ? Bonjour. Bonjour. Dans l'open space, tous ses collègues l'ignorent, concentrés sur leur écran. Tous s'enfuient, un homme se cache dans un placard. On se calme. L'entretien avec la directrice et ma job coach s'était très bien passé. Ces fonctionnements particuliers, ça amène pas que des difficultés, ça amène aussi une créativité qu'on n'imagine pas et qui des fois est source de nouvelles solutions. Bienvenue dans l'entreprise. Arthur et son double entrent dans le bureau comme des stars, lunettes noires sur le nez. Et puis, j'en ai des qualités, c'est sûr, ils vont m'adorer. Tous l'applaudissent. Ils brandissent des petites pancartes. Bienvenue. Hé, hey, nouveau ! Apparemment, tu seras Asperger. Eh oui. Parce que j'ai un problème avec mon ordinateur. Je voulais savoir si tu pouvais jeter un petit coup d'œil au niveau logiciel et de ça, parce que apparemment, vous les aspis, vous comptez vite et tout, vous faites des équations rapidement, je voulais savoir un peu. Ouais. Ouais, bon, c'est pas grave, je t'embête pas plus, je vais aller faire mon footing. Allez, à plus ! Hé, le génie ! Racine de 462 divisé par 72. Je te conseille d'utiliser une calculatrice. Bon, laisse tomber, c'est pas grave. Allez, bon après-midi. Je vous présente Arthur, le nouveau qui vient d'arriver aujourd'hui. Salut Arthur. Bonjour Arthur. Bienvenue. Alors Arthur, cette première journée, comment ça se passe ? Tu sais, tu es pas obligé de me parler lentement. Je suis pas bête, je suis autiste. Vous avez vu, à ce qui paraît, le nouveau c'est un autiste. Ouais. Ce que j'ai vu sur internet, ils arrivent pas à se faire des amis, ils arrivent pas à rentrer dans un groupe. Ouais, apparemment ils sont tout le temps isolés, tout le temps dans leur coin. Je sais pas comment on va bosser avec lui. Hein. Alors les gars, vous avez fait quoi ce week-end ? Racontez-moi un peu. Moi, j'ai reçu ma maquette de la centrale nucléaire de Tricastin en grandeur nature. Hein. Alors là, j'ai mis 48 heures à élaborer la construction du réacteur numéro 1. Bon, j'ai rencontré des problèmes sur la faisabilité du réacteur parce qu'au niveau du circuit de refroidissement, il fallait que je reçoive des pièces qui viennent du Japon et que je n'ai pas pu recevoir. Franchement, c'est cool, hein. Je suis intéressé par tes trucs de centrale nucléaire et tout, mais si tu veux, on en reparlera la prochaine fois, ça te va, je suis un peu pressé, là. Allez, bonne journée, mec. Bon, on va en profiter peut-être pour faire le point sur les dernières choses qu'il faut absolument réaliser cette semaine. Oui. Donc, il y a le mail de la DRH, on a parlé la dernière fois, qu'il faut absolument envoyer, les derniers litiges à gérer et nourrir la base de données clients. J'avais envie de dire, ça va, oui, les imprévus que tu me fous en pleine figure, patronne, tu veux pas que je fasse tes courses aussi ? Mais en fait, j'ai dit, ça sera fait. Est-ce que vous pourriez transmettre ça à Arthur ? C'est la liste des tâches qu'il doit faire demain. Ça fait partie de ses aménagements, on lui laisse une trace écrite, comme ça, ça l'aide à s'organiser. Ah ! Je vais m'en occuper. Arthur. Tu sais, Camille, je pense que tu peux plus te cacher maintenant. Je pense qu'il faut aller de l'avant aussi et en parler à Manu Breuil. Je te conseille vivement de le faire. Camille, vous avez demandé à me voir ?
Je vous écoute. Je voulais vous annoncer que récemment, j'ai été diagnostiquée autiste Asperger. Ah d'accord. Si je suis là, c'est parce que j'aimerais que vous m'aidiez à avoir les mêmes aménagements qu'Arthur. Je comprends pas Camille, ça s'est toujours très bien passé, ça fait des années que vous travaillez chez nous. Pourquoi est-ce que ça changerait? Alors, rappelle-toi, de quoi est-ce qu'on avait besoin comme aménagement? On avait besoin d'un espace pour s'isoler quand on a une petite bouffée d'angoisse pour permettre de redescendre tout doucement. On avait besoin d'un casque anti-bruit, parce que l'open space, il est bruyant. Mais surtout, ce dont on a besoin, c'est de son empathie, de sa compréhension et de pouvoir penser les aménagements avec elle. Si jamais vous m'aidiez juste à avoir certains de ces désaménagements, je peux vous assurer que je serai beaucoup mieux dans cette entreprise. D'accord Camille, je comprends. Je crois que maintenant, t'as plus besoin de moi. Bravo Camille. Ada sourit et quitte le bureau. Camille, soulagée, hausse les sourcils. Bref, je suis aussi Aspie. Une audiodescription titre à film.